Tu te rappelles Avengers Endgame ? Tu veux dire le film réalisé en mode rien de tel que la mort de la moitié de l'univers pour faire une comédie grasse avec des blagues sur les fesses et des gags sur les gros ? Oui, alors ? Bah, je lisais des critiques du film l'autre jour et j'ai vu que beaucoup de gens avaient l'air déçus que les actions de Thanos soient annulées. Sérieusement ? Bon, tout le monde est peut-être pas au courant, attention spoiler blablabla, il va falloir résumer un peu pour illustrer notre propos. Avengers Endgame est en fait le deuxième volet d'un film en deux parties, c'est-à-dire la suite d'un autre film, Infinity War, où le méchant, Thanos, qu'on a déjà un peu présenté dans la vidéo précédente, regroupe des pierres pour fabriquer une arme capable d'éradiquer la moitié de la population de l'univers d'un claquement de doigts. Il est peut-être utile de préciser qu'il le fait pour des raisons de développement durable. Il y parvient. Non pas parce qu'il est badass, mais parce que les héros ont été trop idiots pour l'en empêcher. J'insiste sur ce point. Non pas parce qu'il est badass, mais parce que les héros ont été trop idiots pour l'en empêcher. Et tu me dis qu'il y a des gens qui croyaient vraiment que les millions de milliards de morts resteraient morts à la fin du film suivant ? Bah oui, au nom apparemment d'une certaine vision de la maturité. Mais enfin c'est invraisemblable ça ! Les gens ne comprennent-ils décidément rien à la fiction ? Maturité ou pas maturité, cynisme ou pas cynisme, pessimisme ou pas pessimisme, le dénouement ne doit pas rendre l'histoire vaine. Tout le monde sait ça. À moins d'être dans une logique de télé-réalité, les personnages dont on nous raconte l'histoire, c'est-à-dire dans le Marvel Cinematic Universe les Avengers, doivent au moins suffisamment parvenir à leur fin pour ne pas donner l'impression d'avoir été insignifiants dans le récit. Bah vraisemblablement non, tout le monde ne le sait pas. Et effectivement, c'est curieux et ça me surprend autant que toi. Est-ce que ces réactions viennent de gens qui ont peu l'habitude de voir des films ? Il me semble que quand on consomme beaucoup de fiction, on se rend compte que oui, bien sûr, les gentils peuvent perdre, mais leur défaite ne peut pas prendre n'importe quelle forme et avoir n'importe quelle cause. Et typiquement, que la moitié de l'univers puisse rester morte après le claquement de doigts de Thanos est impensable, sauf à vouloir à tout prix être avant-gardiste au mépris de toute autre considération. Rien n'obligeait les événements d'Infinity War à être sans conséquences à long terme, et d'ailleurs ils ne le sont pas, mais tout obligeait les morts à ressusciter. On voit bien que l'idée sous-jacente à ces critiques, c'est la volonté iconoclaste de rompre avec ce principe soi-disant éculé, comme quoi le bien triomphe toujours. Mais est-ce seulement vrai que le bien triomphe toujours ? Dans la fiction en général ? Même pas. Enfin, pas vraiment. Il serait plus juste de dire que le mal ne triomphe jamais, ou en tout cas, jamais vraiment dans ces termes. On le sait, le cynisme, le pessimisme, ça existe dans la fiction. Des fois, l'auteur se dit qu'une situation ne peut pas bien se terminer, et donc l'intrigue se termine mal. Mais le personnage opposant, ou la force opposante, n'obtient jamais vraiment gain de cause à la fin de l'histoire. Tout est détruit, ou bien les héros sont tous morts, ou bien ils ont échoué, mais on n'aboutit pas non plus complètement à la situation que l'enjeu de l'intrigue était d'éviter. D'abord parce que, encore une fois, dans le cas contraire, ça voudrait dire que l'intrigue est inutile. Or, il faut tout de même qu'il y ait un intérêt à ce que le film dure 2 heures plutôt que 5 minutes. Au fond, ça marche dans les deux sens, et même les héros gagnent rarement complètement dans leur terme. On y reviendra. Ensuite, parce que le monde promis à une damnation éternelle telle que l'a voulu le méchant ou la force malfaisante qui pilote l'intrigue, ce n'est pas une situation finale crédible. Sauf si c'est parce que le spectateur est décisionnaire. Et encore. Et ça aussi, on y reviendra. Ça, c'est dans la fiction en général. Et dans les dessins animés ? Bah, c'est un peu pareil, mis à part qu'effectivement, c'est un lieu commun, mais il faut le rappeler pour pouvoir l'étudier, plus une œuvre de fiction est destinée à la jeunesse, plus le concept « le bien triomphe toujours » sera prépondérant. Prépondérant, ça veut dire qu'on aura moins de fins authentiquement tristes, sauf accident. Mais ça ne veut pas dire que les héros triompheront toujours plus complètement. Oui, car comme tu l'as dit, la nécessité pour l'intrigue d'avoir un intérêt fonctionne dans les deux sens. Et en fait, c'est assez rare que les héros remportent le genre de victoire qu'ils espéraient au départ. Désolé, on va pas s'arrêter à Avengers Endgame. Puisqu'on parle de fin, il va y avoir des spoilers en tout genre. Vous êtes prévenus. Il y a bientôt 10 ans, on s'émerveillait de la fin de Jumanji. Rappelons l'intrigue. Judy et Peter Shepard jouent au Jumanji dans le but de libérer leur ami Alan, prisonnier du jeu. Pour sortir du jeu, il faut résoudre l'énigme qu'il pose quand on lance les dés. Or, Alan n'a pas vu son énigme. Mais les héros ne désespèrent pas de finalement découvrir cette énigme ou de trouver une autre solution. Et dans le dernier épisode, grâce à un miroir qui permet de voir dans le passé, Alan découvre son énigme, la résout et est libéré. Fin. La victoire est telle qu'imaginée dans l'épisode 1. Et ça, c'est très rare. En général, il y a des complications, des retournements de situation, ou un changement de point de vue des héros sur l'intrigue. Dans cette même vidéo sur Jumanji, nous avons comparé la série Jumanji à la saison 1 de Code Lyoko, où les héros espèrent aussi délivrer leur amie d'un monde virtuel dont elle est prisonnière, alors que cette situation les oblige à se mettre en danger, eux et le reste du monde en l'occurrence. On en a déjà beaucoup parlé.
Sauf que, quand ils parviennent à remplir cet objectif, il s'avère que c'est insuffisant, que finalement le problème était différent de celui que les héros imaginaient, qu'entre-temps le danger est devenu indépendant de cette situation, et ça entraîne tout un tas de péripéties totalement différentes de celles initialement prévues pour finalement que le méchant soit vaincu. Et donc, les héros gagnent à la fin, mais pas de la façon qu'ils avaient imaginé au départ. Et c'est ça le schéma le plus typique. Et encore là, on décrit un cas où les héros ne doivent pas négocier la victoire au prix d'une défaite. Enfin si, mais une défaite sur un enjeu tardif. C'est pas pareil. Ce qui est fréquent aussi, c'est ce qu'on appelle les fins douces amères. Elles découlent en partie de cette tendance pour l'intrigue à changer d'enjeu en cours de route. Par exemple, dans Monster Rancher, il s'avère que Moho, le grand méchant, est aussi le père d'Oli. Plus ou moins. Si on ne compte pas la suite après fin fermée, que de toute façon nous n'avons pas vue, les héros arrivent à vaincre Moho, c'était l'essentiel, mais Oli ne retrouve pas son père, qui meurt en même temps que Moho. Les héros sont tenus à cette défaite sur la sous-intrigue du père d'Oli pour sauver le monde. C'est une fin douce amère. Au fond, c'est aussi un peu ce que tente Green Lantern, où la destruction de l'univers est évitée mais où Aya meurt. Sauf que c'est raté parce que l'univers n'aurait pas risqué la destruction si Aya n'était pas passée du côté obscur, et Aya ne serait pas passée du côté obscur si les héros l'avaient tuée dès le début comme les gardiens l'avaient conseillé, donc sa mort n'est pas une concession acceptable pour sauver l'univers. Peu importe. Les fins comme ça sont fréquentes dans les dessins animés. Il y a un peu ça à la fin de la saison 1 de La Légende des Super-Héros, il y a un peu beaucoup ça à la fin de Chris Colorado... Ces fins douces amères ne sont pas toutes construites sur ce schéma qui consiste à dire « Les gentils gagnent, mais il faut qu'il y en ait un qui meure pour que ça fasse plus tragique. » Il y a aussi la sous-catégorie « Le héros n'obtient pas ce qu'il désirait, mais obtient ce dont il avait besoin. » On peut peut-être citer dans ce registre toutes les histoires où les héros sont obligés de se séparer de leurs compagnons à la fin. Comme pour dire « On peut pas avoir à la fois la paix et l'aventure. » Mais l'exemple qui me vient à l'esprit est celui d'Oban Star Racers. Fondamentalement, ce dont Molly a besoin, c'est de retrouver son père, dont la mort de sa mère l'a séparé. Au fil de l'intrigue, on lui fait croire que si elle gagne la course, elle pourra ressusciter sa mère pour que tout redevienne comme avant. Même si le spectateur ignore la vérité sur le prix ultime, il se doute bien que c'est bidon. Ce genre de dénouement, ça ne s'envisage pas trop dans les dessins animés, et même dans la fiction en général. Sauf cas particulier. Tiens, c'est intéressant ça, pourquoi ? Plusieurs raisons. C'est un peu tabou. C'est un manque de savoir-vivre, je trouve ça dégoûtant. Et puis surtout, il faut que la fiction soit porteuse d'enseignements. Et d'enseignements qui soient pertinents dans la réalité. Donc qui ne soient pas du genre « c'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet ». L'histoire de Molly doit pouvoir aider une personne dans sa situation à surmonter les difficultés du monde réel. Or, s'il s'avère que la solution consiste réellement à ressusciter les morts, c'est contre-productif. Ça véhicule l'idée que dans notre monde réel où on ne ressuscite pas les morts, les orphelins sont condamnés à une longue vie de désespoir. Donc non, Molly ne ressuscitera pas sa mère. Et elle devra dire adieu à ses amis, et retourner à l'école. Mais elle retrouvera son père, et c'est une fin heureuse, même si elle implique un deuil et un certain nombre de renoncements de la part de Molly. Cette idée des fins du type « parce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin » me fait dire que tu as raison, il n'y a pas de différence nette entre les dessins animés pour la jeunesse et les œuvres plus matures pour ce qui est de la défaite des héros, et du prix auquel se négocie la fin heureuse. Le dénouement de la première série Fullmetal Alchemist, destiné donc à un public plus âgé, est dans le prolongement de celui d'Oban, bien que la première série FMA soit, bien sûr, antérieure à Oban. Les héros recherchent la pierre philosophale pour récupérer ce qu'ils ont perdu en tentant de ressusciter leur mère, la jambe d'Edouard, le corps d'Alphonse et le bras d'Edouard dans cet ordre, et pourquoi pas de la ressusciter effectivement grâce à cet artefact miraculeux. Sauf qu'il s'avère qu'il faut s'en rendre coupable de meurtre de masse pour la fabriquer, et donc, ce dont les héros ont besoin, c'est d'accepter ce qui s'est passé, et de ne pas se montrer, comme les autres alchimistes dans cette série, obstinés au point de devenir des monstres génocidaires. Ainsi, bien sûr, ils ne ressusciteront pas leur mère. Edouard ne récupérera pas ses membres, mais Alphonse récupérera son corps, parce que quand même, hein, faut pas déconner. Les deux frères seront piégés en Allemagne dans un groupe de tziganes juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais ils seront réunis. En dépit de tout ce que ça peut avoir de cauchemardesque de se retrouver coincé dans l'Allemagne des années 30, à un degré dont les auteurs du film n'avaient peut-être pas complètement conscience, après tout ils n'étaient pas européens, on sent que l'aspect principal que le spectateur est censé retenir de cette fin, c'est qu'ils sont réunis. Ed et Al seront séparés de tous leurs autres proches et coincés en Allemagne pré-nazie, mais le mal qui rongeait Amestris a été mis hors d'état et la junte militaire a été renversée. On est typiquement dans le cas d'une fin où les héros ont échoué à remplir leurs objectifs parce que ces objectifs étaient inaccessibles, au sens où ils impliquaient de passer du côté obscur. Mais cet échec est consenti, et vécu par les héros comme la contrepartie d'une victoire morale riche d'enseignements. Dans Brotherhood, c'est plus terre à terre, et la répartition des succès et des échecs est différente, mais c'est un peu pareil. Donc bien sûr que les héros peuvent perdre et que le bien ne triomphe pas toujours. Mais il faut que la défaite, comme la victoire d'ailleurs, ait un sens. Parce que c'est le propre de la fiction, chercher à avoir un sens. C'est ce qui la différencie de la réalité qui, elle, se contente d'exister.
Ceci dit, même la fiction la plus idéaliste a à cœur de ne pas confondre optimisme avec naïveté, et se paye parfois le luxe de mettre en scène des défaites plus ou moins objectives, que ce soit au milieu ou à la fin de l'histoire. Ces défaites objectives du héros ont toujours un intérêt esthétique au moment où elles se produisent dans l'histoire. Ce n'est pas la même chose que la défaite inesthétique vécue par un personnage de méchant introduit comme badass en début de série, et dont il devient nécessaire de faire un bouffon qui perd tout le temps dans ses apparitions suivantes, histoire que la série se prolonge un peu. Recette pas terrible qui, heureusement, ne concerne que les méchants. Encore que, il y a aussi ce que TV Trop s'appelle l'effet Worf, consistant à ce que le nouveau méchant ridiculise précisément celui parmi les héros qui est connu pour être le plus fort ou le plus compétent pour ce type de menace, afin de montrer au spectateur qu'il est menaçant. Concrètement, c'est la même chose, du coup, celui qui était le plus fort se met à perdre tout le temps si on décide d'abuser de cette recette. Mais à la différence de ce qui arrive aux méchants récurrents de séries longues, ça conserve toujours le même intérêt esthétique. Bon, sauf si la motivation pour le faire se perd en cours de route. Mais c'est une autre histoire et on a bien assez digressé comme ça. Reprenons. Oui. Dans le genre défaite objective au milieu de l'histoire, il y a le mode l'Empire contre-attaque et le mode un deuil dans la famille. Le mode l'Empire contre-attaque, c'est la défaite de fin de saison du milieu. Il y a ça dans les saisons 2 et 3 de Code Lyoko, et il y a ça dans la saison 2 d'Avatar le dernier maître de l'air. Il y a aussi ça à la fin de la saison 1 de Scooby-Doo Mystère Associé, à la fin de la série Le Surfeur d'Argent, on en a déjà parlé, et donc la fin d'Infinity War est une fin de ce type-là. Les exemples de séries animées que j'ai citées ont beau être pour les enfants, elles n'hésitent pas à faire des fins de saison où absolument tout tourne à la catastrophe, et où les méchants ont presque totalement gagné, sur tous les plans à part celui de la survie des héros. Là, faut vraiment être sûr d'être en mesure de produire la saison suivante pour se le permettre, n'est-ce pas, surfeur d'argent? Tout tourne à la catastrophe donc, car comme le dit Merlin, tu ne descendras plus, donc tu ne peux que monter. Pour que la saison suivante soit vraiment spectaculaire, on peut faire rebondir les héros sur un échec cuisant et non moins spectaculaire. Le problème de cet échec cuisant est qu'il est parfois causé par le fait que les héros ont franchement déconné, et le caractère complètement évitable de leur défaite est frustrant. Oui, c'est complètement le cas d'Infinity War, complètement le cas de la saison 2 de Code Lyoko, un peu le cas de la saison 3 de Code Lyoko, et pour la saison 2 d'Avatar et la saison 1 de Mystère Associé, c'est sujet à débat. Pour la saison 1 de Mystère Associé, on peut arguer que, comme pour la fin du Surfeur d'Argent, c'est les méchants qui étaient juste trop forts. Ce qui, en effet, rend la raclée qu'ils vont se prendre dans la saison suivante d'autant plus méritoire pour les héros. J'embraye donc sur le mode un deuil dans la famille. Parfois, les héros ratent la mission. Et c'est franchement embêtant, mais c'est ainsi. Les méchants ont marqué un point. C'est le scénario de chaque épisode de Belphégor, non? Oui, mais l'exemple qui retient le plus mon attention est la mort de Ace dans One Piece. Une série où même les humains sans pouvoir ne meurent pas d'une balle dans la tête à bout portant. Faut le faire! L'expédition pour sauver Ace avait un seul objectif, sauver Ace. Ace est tué, un peu par sa propre faute, mais surtout parce que, malgré tous les efforts investis par Luffy, le héros, frère adoptif de Ace, et par Barbe Blanche, pourtant l'homme le plus fort du monde, père adoptif de Ace venu aussi à sa rescousse, il n'était pas à la hauteur pour empêcher la catastrophe. Et donc là, clairement, c'est une défaite totale. Cet événement a une fonction dans l'intrigue, inciter Luffy à se rendre compte que les défis n'arrivent pas toujours de manière incrémentielle, et que, pour protéger ses amis et devenir roi des pirates, il doit faire une pause pour prendre le temps de se mettre au niveau. On retrouve souvent mise en avant dans les animés japonais destinés aux jeunes garçons, l'idée qu'il y a une différence entre être investi d'une potentialité infinie, comme le sont généralement les héros, et être toujours en mesure de gagner grâce à cette potentialité. Avec de la volonté, le plus faible peut réussir à vaincre le plus fort. Non, je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ainsi, les héros sont occasionnellement confrontés à des adversaires qui ne peuvent pas vaincre sans changer radicalement. A contrario, les dessins animés occidentaux ont plutôt tendance à dire que le héros doit trouver la bonne idée, le bon allié pour compenser le différentiel de puissance. One Piece n'est pas non plus hermétique à cette idée. Et en fait, on le retrouve aussi dans des séries comme Mighty Max, ce concept de « je ne suis pas encore au niveau contre mon ennemi » et pour pouvoir le vaincre sans avoir à sacrifier mes amis, je vais devoir me donner du temps pour m'améliorer. Mais en parlant de Mighty Max, je me souviens que tu mentionnais des défaites plus ou moins objectives à la fin de l'histoire. Oui, et je voudrais en évoquer une qui surprendra peut-être d'autant plus qu'elle est celle d'un personnage qu'on voit souvent comme l'archétype du héros qui triomphe toujours. Savez-vous que la série animée Superman, l'ange de Metropolis, se termine mal? Peut-on dire que c'est une fin, sachant qu'à ce stade, la Ligue des Justiciers était sans doute déjà prévue? Oui, quand même, car la Ligue des Justiciers ne rebondit pas immédiatement sur cette fin triste, au contraire. Donc, cette fin triste est vraiment la conclusion de la série. Mais avant d'y revenir, je m'en vais la résumer. Parmi les ennemis de Superman dans la série, il y a lui, Darkseid, un colosse qui règne sans partage sur une population d'esclaves. C'est aussi un dieu, plus encore ce que Jack Kirby entend par un dieu, on en a déjà parlé. C'est une personnification anthropomorphique de la tyrannie et il représente non seulement le fait de soumettre les autres physiquement et moralement, mais aussi tout ce qui peut conduire une âme à renoncer volontairement à la liberté. Le mensonge, l'insécurité, l'échec des idéaux,
Au début, c'était d'abord et avant tout un méchant psychologique. L'étendue de ses pouvoirs est seulement alléguée, c'est valable dans les comics comme dans la série animée, et à la manière de Randy Beeman qui n'existe qu'à travers ce que son copain dit sur lui, sa position en retrait le campe comme un personnage invincible. De fait, il intervient peu physiquement. Son but dans le dernier double épisode de la série est de détruire le mythe de Superman, de retourner l'opinion contre lui. C'est son passe-temps préféré depuis 1986. Pour ce faire, il lui fait un lavage de cerveau et l'envoie conquérir la Terre. La vérité finit par éclater et Superman recouvre son libre arbitre, mais au gré d'un certain nombre de circonstances fâcheuses, il est porté à l'attention du grand public que Superman n'est pas infaillible et la méfiance s'installe. Superman n'entend tout de même pas en rester là avec Darkseid. Il compte bien lui faire payer la mort de Dan Turpin plus tôt dans la série, vous voyez, vous connaissez déjà Darkseid comme celui qui, dans la défaite, arrache des concessions aux héros, ainsi que l'érosion de la confiance que les Terriens plaçaient en lui. Contre toute attente, Superman sort victorieux du duel. Il livre Darkseid affaibli à son peuple, supposant qu'il sera destitué et jugé pour ses crimes. Mais tout au contraire, les esclaves de Darkseid portent secours à leur maître, car même s'il est vaincu, leurs esprits lui sont soumis, et ils ne connaissent pas d'autre vie que la servitude. Je suis beaucoup de choses, Kal-El, mais ici, je suis un dieu. Tenté d'intervenir, mais dissuadé par Supergirl, Superman doit se résigner aussi à la défaite morale face à Darkseid. Et la série se termine là-dessus. Bien sûr, il est Superman, donc il est certain qu'il saura regagner la confiance des gens. Et il a tout de même montré à Darkseid qui était le patron. Mais quand même, par le biais de cette fin, même une série comme Superman, l'ange de Metropolis, tient à montrer qu'elle connaît la différence entre optimisme et utopisme. Ce n'est pas une fin cynique. Le vrai cynisme consisterait à dire que Superman sortira perdant de cette situation quoi qu'il fasse, parce que le monde est injuste et que, comme Darkseid le dit lui-même, un gros mensonge peut effacer la vérité. Ça c'est le style Marvel, le style Spider-Man, où les gens le considéreront comme un criminel quoi qu'il arrive à moins qu'il renonce à ce qu'il est profondément. Non, dans Superman, on sait tout de même que le retour de la confiance est possible, et dépend de ce que fera Superman, même si effectivement, ce sera toujours plus difficile pour lui de regagner cette confiance que ça l'a été pour Darkseid de l'éroder. Malgré l'exemple de Spider-Man, je propose l'hypothèse que ce n'est pas que le bien triomphe toujours dans la fiction pour enfants, c'est qu'elle refuse généralement le cynisme, car même si on a bien le droit d'être cynique quand on est adulte, il faut l'être devenu en connaissance de cause, pas parce qu'on a appris dès son plus jeune âge que ça ne sert à rien de faire des efforts puisqu'on perd quand même lorsqu'on en fait. Et puis le dégoût de la vie n'est pas la chose à insuffler en premier aux jeunes. Ça n'a aucun intérêt de jeter à la gueule d'un enfant en train de grandir que quoi qu'il fasse, quels que soient les efforts qu'il fait pour réussir en classe, plaire à ses amis, à ses parents, respecter les règles difficiles de la vie en société, développer ses capacités, se montrer intelligent, malin, mature, altruiste, il sera malheureux parce que la vie est absurde et que les efforts ne sont jamais récompensés, alors qu'il est inutile qu'il apprenne à faire tout ça et qu'il fasse des efforts pour. On aboutirait au suicide de l'humanité en une génération. Mais les enfants ont également besoin d'apprendre l'humilité. Et comme on l'a dit, on trouve beaucoup dans les animés japonais l'idée qu'il y a toujours un poisson plus gros, un poisson trop gros contre lequel le héros va perdre. C'est une idée souvent mise en valeur dans les séries animées sur le sport ou la compétition. On est quand même dans le sujet de l'année, où cet état de fait, qu'il y a des adversaires contre lesquels on va d'abord perdre quels que soient les efforts qu'on fait, n'incite pas au cynisme, mais au contraire à toujours chercher à progresser puisqu'il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours plus fort que soi. C'est un lieu commun qu'on entend couramment quand on fait de la compétition. Le monde est vaste. Quel que soit le niveau, on finit toujours par trouver plus fort que soi. Dans un monde fini, c'est bien évidemment faux. Il y a bien quelqu'un qui est meilleur que tout le monde. Et rétrospectivement, dans l'histoire de l'humanité, on pourra désigner la personne qui aura été la meilleure dans tel ou tel domaine. Mais la fiction sur la compétition transforme cette possibilité, qu'il y ait quelqu'un d'encore meilleur, en un fait. Il y a toujours quelqu'un d'encore meilleur qui sortira de nulle part pour montrer que la quête n'est jamais terminée. Parfois, l'horizon indépassable de la progression est incarné par un adversaire qu'il est par nature impossible de vaincre, et qui peut être l'occasion de défaites instructives pour le héros. Et ces personnages ont souvent une bonne raison d'être invincibles. Dans Hikaru no Go, la quasi-perfection de Sai lui vient du fait d'être un fantôme. Son jeu n'est pas infaillible puisqu'il cherche encore le coup divin, mais sa compétence est trop surhumaine pour qu'il puisse être vaincu en duel. Or, le reste du temps, on a le sentiment que la grosse différence entre les séries de compétition à la japonaise et les séries d'aventure est que, dans les séries d'aventure, le méchant profite souvent d'un avantage situationnel qui rendrait la défaite du héros cynique, tandis que dans les séries de compétition, le méchant peut être franchement méchant, il n'est pas favorisé par rapport au héros. Enfin, on a déjà eu l'occasion de dire que ça dépendait. Mais en théorie, le méchant est sur un pied d'égalité avec le héros, donc sa victoire, même favorisée par les circonstances, est plus méritée et moins cynique. Et des fois, la défaite du méchant est présentée comme tout aussi peu méritée que celle du héros, mais ça on y reviendra après. De toute façon, quel que soit le genre de l'œuvre, le méchant doit d'abord gagner ou montrer qu'il peut gagner. Le méchant doit être menaçant, et surtout le héros doit être méritant, donc sa défaite doit être présentée comme au moins une possibilité. Même si c'est très bref. Mais parmi les séries de sport, il y en a qui exagèrent là-dessus.
TV Traps remarque avec amusement que dans Oban Star Racers, les héros perdent toutes les courses qu'ils peuvent perdre sans être disqualifiés. C'est un excès dans lequel il est facile de tomber si on est trop préoccupé par le réalisme. Évidemment que les mêmes ne peuvent pas gagner tout le temps, mais dans Oban, c'est vrai que c'est un peu excessif. Dans Kangoo, c'est l'inverse. Les héros gagnent presque tout le temps. Sauf contre les petits hommes de Westland. Caprice étrange de la série qui n'empêche pas les Kangoo d'être toujours sacrés champions de toutes les compétitions. Nous avons aussi évoqué la constance des Snow Kids de Galactic Football à perdre seulement les matchs les moins décisifs et à toujours être champion de l'univers. On pourrait aussi évoquer Foot de Rue qui, elle, tente tout de même de relativiser l'importance d'une victoire des héros et qui, donc, se rend moins coupable que Galactic Football de favoriser les personnages principaux. Il faut dire que Foot de Rue est plus sur le Foot de Rue lui-même que Galactic Football n'est sur le Galactic Football. C'est vrai au sens où, comme on l'a dit dans la vidéo sur la série, le foot de rue symbolise quelque chose en tant que tel, mais à relativiser au sens où le Galactic Football est porteur en soi d'enjeux dans l'intrigue, comme on l'a d'ailleurs également dit dans la vidéo sur la série. Mais je voudrais revenir sur la tendance des auteurs à toujours rendre les héros victorieux au bout du compte pour parler de la tendance franchement inverse dans Pokémon. Oui, de la même manière que tout le monde sait que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, s'il y a bien une chose que les gens savent sur le dessin animé Pokémon, c'est que Sacha perd toujours. Ce n'est pas un point sur lequel on s'est tant que ça attardé dans la vidéo sur le sujet, donc récapitulons. Le but de notre héros, Sacha, est de devenir maître Pokémon. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais dans sa rhétorique, ça s'emploie parfois au singulier, le maître Pokémon. Et ça a quelque chose à voir avec le fait de gagner à la Ligue Pokémon. Dans les premiers jeux, la Ligue Pokémon, c'est un groupe de 4 dresseurs, dit le Conseil des 4, que l'on peut affronter n'importe quand du moment qu'on possède 8 badges d'arène. Et si on parvient à vaincre les 4 à la suite, on devient le grand champion qu'un dresseur ultérieur devra venir défier pour le détrôner. On est donc le maître, effectivement. Mais dans le dessin animé, la Ligue Pokémon, c'est un tournoi périodique où les dresseurs possédant 8 badges s'affrontent entre eux. Quand on gagne, on va juste sur un podium et on rapporte un trophée chez soi. Aucune importance, puisque Sacha, au terme de 81 épisodes de quête pour devenir maître Pokémon, perd et même pas en finale. Il en conclut que le voyage n'est pas terminé. Comme la série, elle aussi, a continué, ce scénario s'est reproduit 5 fois. Sacha arrive dans une région, décidé à devenir maître Pokémon, il progresse, il remporte les badges, il participe à la compétition, puis il perd et rebelote. D'après ce que nous avons compris, puisque nous n'avons pas vu toute la série comme vous le savez, ce schéma ne souffre que deux exceptions. Les îles Orange, que personne ne compte parce que ce n'est pas une zone adaptée des jeux, et la Ligue d'Alola, dont nous avons ouï dire que la remporter est moins méritoire que de remporter la compétition dans une autre région. Quoi qu'il en soit, c'est le lieu commun, Sacha termine presque toujours ainsi que sur une défaite. On peut se poser deux questions. Pourquoi est-ce toujours ainsi? Et pourquoi y a-t-il des exceptions? La raison pratique pour laquelle Sacha perd la plupart du temps est assez évidente. La série sert de vitrine à une série de jeux qui continue d'avoir du succès. Elle doit donc continuer tant que ce succès sera au rendez-vous. Et si on devait enchaîner des cycles au terme desquels Sacha gagne toujours, ça prendrait rapidement des allures de suite après fin fermée. Et on sait bien que nul n'oserait faire une chose pareille, n'est-ce pas? Disparaît qu'un ordi. Avec capteur de mouvement peut-être. Bon, en tout cas, Pokémon s'en sort comme ça pour continuer indéfiniment. La quête de Sacha n'est jamais terminée, puisqu'il continue de perdre à chaque fois. Puisqu'on a pu concéder aux saisons 2 et 3 de Galactic Football qu'elles ne sont pas des suites après fin fermée alors que les héros gagnent à chaque fois, il aurait sans doute été possible à Pokémon de faire la même chose. Galactic Football y parvient en concluant l'intrigue du foot par des victoires totales, certes, mais l'intrigue aventure par des cliffhangers. Rien n'aurait empêché Pokémon de faire quelque chose de semblable. Ça aurait moins permis que les cycles soient indépendants les uns des autres, ce qui, quand le public cible se renouvelle continuellement, était quand même capital. Mais si on doit chercher une raison moins terre à terre à cette défaite permanente de Sacha, je dirais que ça a quelque chose à voir avec cette idée qu'il y a toujours plus fort que soi. Cette idée de devenir un maître Pokémon, voire le maître Pokémon, suppose qu'il y a un moment où la quête est terminée, où l'on remporte une victoire définitive qui nous rend incontestable. Or, les séries sur la compétition réfutent toujours cette idée. Si Sacha perd toujours, qui plus est parfois contre un adversaire invincible sorti de nulle part, c'est probablement en vertu de l'idée que devenir le meilleur est en fait la quête de toute une vie pour devenir le meilleur qu'on pourra. Et cette quête ne s'arrête jamais. C'est pour ça que Sai disparaît sans avoir trouvé le coup divin dans Hikaru no Go. Le seul animé japonais sur la compétition dont je me rappelle clairement qui contredit cette idée, c'est Yu-Gi-Oh! Et encore, on la trouve quand même sous forme de boutade à la fin. Hé hey Yugi, si tu nous faisais un petit discours. Eh bien, parfois la fin d'une aventure n'est que le prélude d'une autre. Ben voilà, j'ai pas tout compris mais c'est bien. Alors pourquoi y a-t-il des exceptions? Pourquoi Sacha gagne-t-il les Ligues Orange et Alola? Pour la Ligue Orange, je sais pas. Peut-être les auteurs ont-ils craint que le fait que Sacha perde à la Ligue Indigo, combiné au fait que c'est un personnage comique, le fasse passer pour le plus mauvais des dresseurs, on a déjà eu l'occasion de dire que certains éléments y concouraient, alors qu'il n'est juste pas le meilleur.
Pour Alola, je serais pas surprise que ce soit à cause de l'eau qui a coulé sous les ponts. Au stade où Sacha remporte cette ligue, on a pu constater que des dresseurs exceptionnellement talentueux, il y en avait partout, et que le fait de devenir maître Pokémon ne pouvait pas consister uniquement à remporter une compétition régionale. Ainsi, maintenant qu'on sait que remporter une ligue n'est pas un objectif final pour quelqu'un qui veut devenir le meilleur de tous les dresseurs, Sacha peut commencer à gagner. On pourrait presque dire que ces défaites dans les séries de sport sont des événements de type le héros n'obtient pas ce qu'il désirait mais obtient ce dont il avait besoin. Dans Dragon Ball, c'est même explicite, puisque Tortue Géniale considère que Sangoku et Krillin doivent perdre au premier tournoi d'arts martiaux, parce qu'une victoire si précoce, même méritée, leur donnerait de fausses idées sur la progression et les empêcherait de réaliser pleinement leur potentiel. Mais ça me fait penser qu'on n'a pas tellement exploré les histoires où les personnages essuient une défaite tout à fait objective sans que celle-ci soit porteuse d'un enseignement quelconque pour eux, c'est-à-dire les histoires qui sont dans le registre de la tragédie. Ça existe dans les dessins animés pour la jeunesse. Ça existe sous diverses formes, mais la plupart des exemples qui me viennent à l'esprit sont des cas où, fondamentalement, le méchant est le personnage principal de l'épisode, qui, victime de lui-même plus que du héros, voire victime d'autres méchants, va connaître un destin tragique. A-t-on encore besoin de citer Ferb ? Un héros est un héros, mais tout le monde aime les vrais méchants. Les méchants fascinent et captivent, beaucoup de séries ont donc des épisodes centrés sur eux, et ces épisodes sont ceux qui ont les plus grandes chances de mal se terminer. A plus forte raison parce qu'il faut maintenir le statu quo. Si on veut faire des épisodes ultérieurs de Conan l'aventurier avec Windfang, il faut que Windfang reste un monstre au service d'Iramon, donc chaque épisode centré sur son espoir de redevenir humain se soldera d'un échec. Je voudrais citer le cas de Batman, la série animée. Un tiers des épisodes de sa deuxième saison est sur l'espoir ou non de rédemption des méchants. Il y en a un sur Killer Croc, un sur Poison Ivy, un sur Double Face, un sur Catwoman, un sur Harley Quinn, un sur l'homme mystère et un sur Mr. Freeze. Dans la saison 1, il y avait un épisode similaire sur le pingouin. Et pour faire bonne mesure, la saison 2 propose aussi un épisode sur le fait que le Joker est totalement irrécupérable. Bref, sur les 8 autres méchants que j'ai cités, 7 se voient offrir une chance de changer et échouent. Pour le pingouin et Harley Quinn, c'est un mauvais concours de circonstances impliquant Véronica Vreeland qui les empêche de réussir leur rédemption. Pour Killer Croc et Poison Ivy, c'est parce qu'ils n'ont, malgré eux, jamais voulu changer. Catwoman et l'homme mystère échouent parce qu'ils ne parviennent pas à lutter contre leurs mauvais instincts, et Double Face n'était pas prêt. Pour Catwoman, l'anecdote implique aussi Véronica Vreeland. Véronica Vreeland serait le mauvais génie qui empêche la rédemption des méchants ? On aura sûrement l'occasion d'y revenir un jour. Quant au 8ème, Mr. Freeze, il n'a tout simplement jamais été méchant. Mais ces 9 épisodes sont de grands épisodes tragiques comme Batman sait bien les faire, où le méchant qui est sous le feu des projecteurs est vaincu par lui-même, qu'il en ait conscience ou non. On est encore, avec ces épisodes sur les méchants, dans la problématique de ce que je désire versus ce dont j'ai besoin. Souvent, l'idée est que si c'est une défaite pour les méchants, c'est parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais que ce n'était vraiment pas ce dont ils avaient besoin. On a de la peine pour l'homme mystère qu'on quitte hurlant dans sa cellule parce que Batman n'a pas voulu lui dire comment il a échappé à l'explosion, mais on en a tout de même moins pour lui que pour les méchants de séries animées qui perdent vraiment tout le temps et que la défaite permanente entretient dans leur frustration. Je fais cet aparté d'une part parce que, au fond, tout le monde aimerait bien que Vil Coyote finisse par l'attraper, ce crâneur de bip bip, ou que Sylvestre lui coule le bec à ce canari horripilant. Je peux comprendre qu'on préfère Tom et Jerry précisément pour cette raison, c'est moins unilatéral. Tom perd toujours au bout du compte, mais Jerry doit quand même s'en manger quelques-unes avant ça. Mais si je fais cet aparté, c'est d'autre part et surtout parce qu'il m'est inspiré par Kangoo Junior. Les méchants sont déjà méchants, mais ils ne sont pas encore les criminels épouvantables qu'ils deviendront adultes, et le fait qu'ils perdent systématiquement à cause de leur compulsion à transformer n'importe quelle activité en occasion de Neuro-Kangoo, même quand ils ne sont pas en conflit d'intérêt avec eux, ne profitant de ce fait jamais de rien et vivant une enfance totalement désastreuse, ça m'a franchement mis mal à l'aise. Surtout quand on sait que cette frustration les conduira à devenir des monstres au-delà de toute rédemption qu'on finira par entasser dans une fusée pour les envoyer dans l'espace afin de se débarrasser d'eux. Surtout quand on constate qu'ils perdent même quand il n'y a aucune raison objective qu'ils perdent. Bon, c'est surtout parce qu'ils sont prisonniers du fait que Kangoo Junior est une préquelle et que les méchants ne peuvent pas apprendre de leurs erreurs puisqu'ils doivent être restés des méchants une fois devenus adultes. C'est pas une mauvaise idée en soi de mettre en scène une situation jouée d'avance. Après tout, le lent passage du côté obscur de Lex Luthor est un des éléments les plus intéressants de la série Smallville. Et pour rester sur un exemple de dessin animé, il y a un bon épisode de Batman l'Alliance des Héros sur comment le Gentleman Fantôme est devenu le Gentleman Fantôme malgré les avertissements de Batman appelé au 19e siècle par Sherlock Holmes. C'est une bonne situation tragique. Il y a donc clairement un juste milieu à trouver, mais ce juste milieu suppose de proposer des situations un peu plus nuancées que les gentils gagnent toujours quoi qu'il arrive. Il y a un rapport étroit entre le succès que rencontre un personnage dans ce qu'il fait et l'empathie qu'on va avoir pour lui. S'il s'installe une non-adéquation entre ce qui arrive au personnage et ce qu'on attend de lui compte tenu de son attitude, il y aura un problème. Le seul moyen de rendre le comportement de la bande des 5 moins perturbant serait de les rendre victorieux suffisamment souvent pour justifier qu'ils sacrifient systématiquement leur tranquillité pour nuire. De manière comparable, l'immaturité des héros de Young Justice nous aurait
serait moins dérangée si elle n'était pas effectivement sanctionnée par des échecs évitables pour des super-héros un peu plus sérieux. De celui qui s'autorise des écarts de conduite ou de la négligence, on attend qu'il les compense par un surcroît de compétences. Un bon auteur le sait. Dans Prince of Tennis, le héros Ryoma est franchement antipathique au début. C'est pas qu'il est prétentieux à proprement parler, mais il est d'une froideur inhumaine et n'attache apparemment d'importance à rien ni à personne. Il y a une raison à ça, mais surtout, si le spectateur la tolère, c'est parce qu'en contrepartie, Ryoma gagne tout le temps. Puis arrive le moment dans l'intrigue où on commence à se faire à l'idée que Ryoma peut perdre contre quelqu'un d'autre que son père. Et donc que, probablement, ça va lui arriver de plus en plus souvent. Et ben, juste après ce moment, on procède à un ajustement. Il y a tout un épisode où Ryoma s'inquiète pour son chat, vraisemblablement mis là afin de l'humaniser un peu, de le rendre plus sympathique, pour rétablir l'équilibre entre ce qui lui arrive désormais, il peut perdre, et ce qu'on attend de lui compte tenu du fait qu'il est toujours détaché, mais moins inhumain. Il doit gagner la plupart du temps, mais pas forcément à chaque fois. Ça, c'est le cas de figure où le personnage est rendu sympathique pour que sa défaite soit acceptable par le spectateur. Il y a des cas de figure où c'est la défaite d'un personnage qui le rend sympathique alors qu'il avait été campé comme antipathique jusqu'alors. Il y en a un en particulier, c'est dans Yuri on Ice. Pour situer rapidement, Yuri on Ice s'ouvre sur la défaite du héros Yuri en finale d'une importante compétition de patinage artistique, défaite due au fait qu'un coup de stress au moment de sa prestation l'a empêché d'être performant. La série raconte la guérison morale de Yuri suite à cet échec, grâce au soutien de son idole Victor, qui va devenir son entraîneur et petit ami. Mais en parallèle de cette intrigue, on suit le parcours d'autres patineurs, et d'un en particulier, JJ, favori de la prochaine compétition. JJ est le meilleur et il le sait. Et il n'a pas l'intention d'être discret à ce sujet. La série le campe comme profondément vantard et d'autant plus insupportable qu'il est effectivement adulé par une horde de fans. Arrive la finale de la compétition. JJ entre sur la patinoire et soudain, le même coup de stress qui a valu à Yuri de perdre en début de série lui tombe dessus. Et lui, qui n'a jamais rien raté, se met à échouer dans chacune de ses figures. Les hordes de fans dans l'assistance réalisent que leur idole est en train de perdre, pleurent et se mettent à chanter les paroles de la chanson d'accompagnement pour le soutenir. Et c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est un gros connard avec une grosse tête, mais nous voilà en train de pleurer pour lui. Esthétiquement parlant, cette défaite de JJ a deux fonctions. La première, c'est de montrer que ce qui est arrivé à Yuri au début de la série peut arriver à n'importe qui, et qu'une seule défaite ne signifie pas que tu n'es pas compétent. La deuxième, c'est de montrer que les fans de JJ l'aiment vraiment, et le soutiennent même dans la défaite, ce qui fait qu'il a perdu la compétition, mais a gagné plus important, la preuve que l'amour de son public pour lui est réel. Bref, c'est un moment très esthétique. En fiction, le principe est toujours le même. La défaite ou la victoire d'un personnage ou n'importe quel autre événement ne se tire pas au dé. Il doit être, dans le meilleur des cas, mis au service d'une esthétique générale. De quoi ça n'a pas d'intérêt de regarder ça plutôt que les faits divers à la télé qui, eux, ont le mérite d'être réels. C'est un point important, les gens qui méprisent la fiction s'appuient sur l'idée qu'elle n'apporte rien que des documentaires, éventuellement romancés, ne pourraient apporter. Ils défendent l'idée que l'histoire est le meilleur des scénarios, ça on l'entend beaucoup, et que les personnages historiques vivent des aventures tout à fait intéressantes, donc que la fiction est une perte de temps qui isole le spectateur du monde. Nous contestons ce point de vue en mettant en valeur l'intérêt principal de la fiction, le fait qu'elle ait un propos, et offre une abstraction au service de ce propos. Cette abstraction suppose une certaine harmonie d'ensemble, et c'est aussi pour ça que les morts d'Infinity War ne pouvait pas rester mort dans Endgame. Bien sûr, il y a des œuvres dont le but est autre chose que de raconter une histoire satisfaisante. Et dans ces cas-là, on trouve des défaites inesthétiques. Le premier exemple qui me vient à l'esprit est celui de La cabane dans les bois. La cabane dans les bois se termine par la fin du monde. Non, pas la destruction progressive du monde avec la promesse que quelqu'un viendra l'empêcher dans un deuxième opus. La fin du monde totale et inéluctable. Pourquoi ? Parce que pour empêcher les grands anciens de mettre fin à l'existence, il fallait procéder à un rituel sacrificiel très spécifique et très esthétique, consistant à enfermer 5 jeunes au profil très cliché dans une cabane dans les bois, et de lâcher sur eux des monstres de slasher movies qui doivent les assassiner suivant des règles très précises. Or, l'un des jeunes sacrifiés a réussi à survivre, et même après s'être fait expliquer la nécessité de sa mort pour sauver le monde, refuse de se prêter au rituel, et meurt du coup en même temps que le reste du monde, mais en ayant fait jouer son libre arbitre jusqu'à la dernière seconde. C'est en quelque sorte la victoire de ce personnage, qui a réussi à troller le reste du monde qui avait décidé sa mort, en l'entraînant dans sa chute. Mais c'est surtout une métaphore sur les slasher movies en général. Les grands anciens incapables de réfréner leur colère si l'histoire qui leur est racontée n'obéit pas à des règles très précises, c'est les spectateurs. Et la destruction du monde à la fin, c'est les spectateurs rejetant le film qui ne respecte pas leurs attentes.
La fin inesthétique a donc bien un propos, et son propos implique d'être inesthétique. Bah en fait, de toute façon, c'est fréquent dans les films d'horreur, les slashers en particulier, dont le but est de faire peur, qu'ils se terminent sur une défaite inattendue et inesthétique du style « le monstre est vaincu, tout va bien, en fait lol non, générique de fin ». Paradoxalement, on ne trouve pas ça que quand le but est de faire peur. On trouve ça aussi quand le but est de faire rire. Le jeu vidéo Une fin de loup, adapté des cartoons de Ralph le loup et Sam le chien, se termine sur ce modèle. Les cartoons, de façon générale, font échouer les personnages sans se soucier de si au fond c'est esthétique. On a cité le cas de Sylvestre tout à l'heure. Mais quand le public n'y est pas préparé, il peut mal réagir. Il y a un épisode des Arnold qui se termine atrocement mal pour le gag. Sauf que les épisodes des Arnold adoptent rarement à ce point une logique de cartoon, et on peut lire sur TV Tropes que cet épisode est, à cause de sa fin, particulièrement impopulaire. Reste qu'en dehors de ces œuvres qui cherchent davantage à surprendre qu'à raconter, l'histoire des univers de fiction présente toujours un sérieux biais en faveur des gentils. Et pas seulement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Le public étant externe à l'univers, et l'information donnée sur celui-ci à travers l'intrigue étant parfois présentée comme totalement objective, surtout quand il s'agit d'œuvres audiovisuelles, le spectateur peut se rendre compte que ceux qui l'emportent sont objectivement les gentils. C'est sûr que c'est encore plus vrai dans les dessins animés pour la jeunesse que dans la fiction pour adultes, que le bien triomphe toujours plus ou moins. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment dans le but d'éviter aux enfants de faire des cauchemars comme on le sous-entend souvent. Bah oui, tu l'as dit, c'est parce que le dénouement ne doit pas rendre l'histoire vaine. En fait, c'est vrai que c'est surtout ça, mais c'est pas seulement ça non plus. Quand quelqu'un gagne, on aime à croire que c'est grâce à ses qualités. Quand quelqu'un perd, on se persuade que c'est parce qu'il avait moins de qualités ou plus de défauts. Or, dans l'inconscient de la fiction, le mal est un défaut. Ah oui. J'ai déjà vu cette idée prendre deux formes. Dans les animés japonais, on a parfois l'impression que les compétences des héros sont magnifiées par la justesse de leur cause, et que les personnages peuvent être conscients de cet état de fait. Dans les Chevaliers du Zodiaque, une partie des Chevaliers d'Or, les méchants, malgré eux pour la plupart, interprètent leur défaite contre les Chevaliers de Bronze, les héros, comme la preuve qu'ils se sont trompés, la preuve que la cause de leur adversaire, sauver Saori qui est la réincarnation d'Athéna, est juste, tandis que la leur, protéger le grand peuple de l'assaut d'hérétiques qui vénère une fausse divinité, est un fourvoiement, sans quoi ils auraient gagné. On trouve ça aussi dans des œuvres sur le sport ou la compétition. Dans la vidéo sur Urban Star Racers, on avait cité le cas de Pokémon, où le joueur est félicité à la fin par le professeur Shen, qui explique au rival, son petit-fils, qu'il a perdu pour des raisons d'ordre moral, qu'il a considéré les Pokémon comme des outils au service de son rêve de gloire, tandis que le héros, lui, les aurait respectés et aimés. Sauf que vraisemblablement, si le héros, le joueur donc je rappelle, a gagné, c'est parce qu'il a grobilisé. La fiction sur la compétition néglige souvent cet aspect technique parce qu'elle veut d'une part croire à l'égalité des chances même quand tout suggère qu'elle n'est qu'une illusion, et parce qu'elle veut d'autre part se concentrer sur les raisons pour lesquelles on devrait soutenir nos héros. Et d'ailleurs, quand elle ne le fait pas avoir fait l'inverse, on voit bien que notre attachement pour les héros ne suffit pas toujours à nous faire souhaiter leur victoire. Ok, donc, en gros, le bien gagne parce qu'il est le bien et a la faveur du cosmos pour ça. Tu as dit que tu avais vu cette idée prendre une deuxième forme. C'est quoi ? Le mal perd parce qu'il est le mal ? Oui, on trouve cette idée chez Tolkien, mais en termes d'œuvre pour la jeunesse, on la trouve presque chaque fois que le méchant est un seigneur des ténèbres ou un Lex Luthor, ou tout type de méchant en position de force. Le mal est porteur d'un vice fondamental qui lui interdit la victoire finale. Chez Tolkien, c'est son incapacité à créer, qui l'empêche de contrarier le grand dessein d'Iluvatar pour le monde. Mais en général, c'est plus concret que ça. Les méchants visent souvent une forme d'absolu qui est une illusion. Le but d'un seigneur des ténèbres est typiquement d'instaurer son règne de terreur pour l'éternité. C'est ça qui coince. Quand j'étais au collège, j'avais des citations de philosophes dans mon agenda, et il y avait un mot d'esprit qui avait particulièrement retenu mon attention parce que je trouvais que l'assertion méritait d'être examinée. Tout finit bien puisque tout finit. Bon, cette citation est de Jacques Chardon, écrivain collaborationniste pro-nazi dont on peut se demander ce qu'il entendait par bien. Il n'en demeure pas moins que, pour le sujet qui nous intéresse, cette citation est juste. Dans la fiction, les méchants sont souvent ceux qui ont une vision figée de l'avenir. Ils prétendent à une éternité qui n'existe pas, et donc, leur règne de terreur n'est au pire qu'un mauvais moment à passer. Au fond, la question est de savoir combien de dégâts le méchant va arriver à faire avant de perdre par sa propre faute. Même quand les héros ne gagnent pas, le méchant ne gagne pas vraiment non plus. Bon, ce raisonnement ne vaut pas si le méchant est un anti-moniteur, dont le but est d'anéantir la réalité. C'est d'ailleurs l'idée derrière Allman dans Crisis on Two Earths. À l'instar du jeune sacrifié de la cabane dans les bois, sa motivation pour anéantir la réalité est que c'est la seule réalisation possible du libre arbitre. Notez le côté contradictoire de cette phrase d'ailleurs, parce que c'est le seul acte qui ne peut pas être neutralisé par un acte contraire, dans le contexte créé par ce film. On a introduit avec Avengers Endgame, on va conclure avec Avengers Endgame. Les gens se sont plaints que Thanos passe de l'écologiste extrémiste qu'il était dans Infinity War à l'anti-moniteur qu'il est dans le film suivant. Mais c'était inéluctable! En éradiquant la moitié de l'univers dans l'optique de se quasi-suicider ensuite, Thanos prétendait à une éternité qui n'existe pas. Il espérait régler éternellement le problème du développement durable par la seule action de tuer une unique fois la moitié des êtres vivants de l'univers. C'est pour ça qu'il est obligé, face à son échec,
d'admettre que sa quête restera vaine tant qu'il n'adoptera pas la seule attitude qui peut prétendre à l'éternité, celle qui transforme l'éternité en quelque chose de fini, celle de l'anti-moniteur, tout détruire pour tout recréer. Mais on ne m'entendra pas défendre ce film plus longtemps. Le point clé est que l'intrigue ne peut pas évoluer de n'importe quelle manière parce qu'elle ne doit pas être vaine, mais que ça ne doit pas empêcher la défaite des héros de rester une possibilité ou au moins une perspective, même abstraite, qui donne des enjeux à l'histoire. C'est par le respect de ces principes qu'on peut faire des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Should fall. Always do my best. I look in the mirror.